Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. En ce début de semaine, 6 décembre 2021, 8h39, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, venez nous rejoindre. Merci pour les messages, les liens que vous m'envoyez. C'est vraiment intéressant. Je vous en partagerai un, d'ailleurs, aujourd'hui, un petit peu plus tard, parce que je vais vous revenir. Parce qu'on vit une époque charnière. Je pense que vous l'avez remarqué. Jamais, jamais dans l'histoire, on aura réalisé qu'on a des maîtres et que nous, on est les esclaves de ces maîtres. Et que plus personne semble être en mesure de poser quelques questions que ce soit. On établit les médias, les politiciens, les scientifiques comme étant des maîtres absolus que tu ne peux pas questionner, que tu ne peux pas remettre en question sous peine de... <laughs> de sévères conséquences qui peuvent aller même jusqu'à l'emprisonnement, la torture et l'isolation, le bannissement, la stigmatisation. On a un ordre mondial, c'est évident depuis longtemps, cet ordre mondial est assis là depuis très très longtemps, sauf qu'on n'était pas capable de le définir, on ne voulait pas le définir, ou on pense que c'est propre à, seulement à, notre, à nos générations, mais tu peux remonter à la création des grandes religions, qui est le premier bloc et peut-être le plus important de cet ordre mondial. D'une élite inatteignable et d'une population esclave, de cette élite, avec des idées, des concepts qui relèvent plus de la science-fiction qu'autre chose. Et cet ordre mondial-là s'est assis après ça avec l'ensemble des autres ordres mondiaux. Euh, ou des autres participants à cette ordre mondial, les dirigeants politiques. Et les deux ont le même agenda depuis le début de cette création, de ce plus grand, probablement, raquette sur l'histoire de l'humanité. Et on est parti avec ça, puis on n'est jamais, jamais revenu, puis on n'en est jamais revenu de ça non plus. Puis on voit ce que ça a donné comme résultat, des guerres, des invasions, des croisades, des massacres. Des millions et des millions de gens dominés, convertis, meurt, assassinés, torturés, sans avoir éliminé les injustices, la misère et toutes les autres infami, infamités. Et dans tout ça, toujours ce même ordre mondial, toujours les mêmes esclaves qui sont là. Et rien n'a changé. Et rien change et la condition humaine n'est pas améliorée par cette élite qui est de connivence pour garder le contrôle de cette population esclave que nous sommes au fil du temps. Et c'est comme ça que s'est écrit l'histoire et c'est comme ça que continue à s'écrire l'histoire. C'est complètement aberrant, mais c'est comme ça que les médias du monde entier, les dirigeants du monde entier s'accoquinent avec l'élite religieuse remet absolument en question rien de leur existence. On nous donne des versions d'états laïques qui sont complètement bidons. Hein? Nos politiciens, nos dirigeants de nos pays occidentaux se vantent d'avoir passé, d'avoir établi des états laïques, ce qui est complètement une farce monumentale, qu'une une hypocrisie du plus haut niveau, alors qu'on stigmatise les individus, en leur interdisant de, s'ils travaillent pour le gouvernement ou sur la place publique, de porter un signe religieux, et on établit qu'un signe religieux ça peut être un hijab, alors que c'est un, une pièce de vêtement, puis moi qui me dérange absolument pas, c'est complètement aberrant, ou une croix. Et ces mêmes gens-là vont s'asseoir et utilisent les religions... Pour contrôler le peuple d'esclaves. Et le plus scandalisant là-dedans, c'est que tous ces États qui se disent laïcs donnent des exemptions d'impôts et de taxes à tous les tous tout, tous tout, tout, tout les cultes. Ce qui fait que le gouvernement se retrouve avec un manque à gagner, qui est compensé par vous dans un État laïque où on vous force à financer <laughs> les maisons de culte, que ce soit le Judaïsme, le christianisme, l'islam et toute autre maison de culte qui est reconnue par nos gouvernements. Voyez-vous le haut niveau d'hypocrisie auquel on a affaire. Mais les gens sont d'une ignorance incroyable. La majorité, ce qu'on appelle silencieuse, semble avoir remis ou accroché son indignation au mur comme un athlète accroche ses gants ou ses patins ou ses skis après une carrière et prenant sa retraite. On a accroché notre indignation, on a accroché notre curiosité, on ne veut plus rien savoir, on fait confiance aux narratifs de nos dirigeants qui se sont exposés de plus en plus maintenant comme étant des maîtres et nous étant des esclaves et ne pouvant absolument pas questionner l'ordre établi. Sous peine de conséquences graves, comme je vous l'ai dit. On est dans cet univers-là, donc je pense qu'on on a atteint le point, malheureusement, de non-retour face à l'abdication. On a abdiqué. La majorité silencieuse a abdiqué, Elle est devenue d'une conformité, d'un conformisme et accepte n'importe quoi. Nos dirigeants ont poussé et poussé et poussé leur pouvoir de plus en plus. On l'a vu avec la pandémie. Les restrictions, les confinements, les euh, couvre-feux, les passeports. On revient, on repart, on revient, on repart. Ça fait deux ans et honnêtement, ça va durer pour toujours. Et de plus en plus de gens vous le disent dans les médias. On questionne les scientifiques et on leur demande et nous, ce qui, ce qui va arriver quand nous sortirons nous de ça et nous le disent probablement jamais parce que. Quoi de mieux pour réhabiliter la crédibilité de tous ces dirigeants qui, au fil des dernières années, avaient perdu beaucoup de crédibilité, nos dirigeants étant les gens avec le moins de confiance hein, de face à la population dans des sondages, finissaient toujours au, au dernier niveau, les médias aussi, et les religieux aussi, d'ailleurs. Et quoi de mieux pour relever la confiance du bon peuple face à ces dirigeants? une pandémie mondiale et de se présenter comme étant les grands défenseurs de la santé des individus et, et de se présenter comme étant ceux qui vous protègent contre un mal invisible. Comprenez-vous? Et on voit que les populations sont facilement manipulables quand on pense juste à la première pierre qui a été déposée de cet ordre mondial avec l'histoire de Moïse qui descend du mont Sinaï, après avoir rencontré Dieu, convaincant encore une fois une population naïve et ignorante, et dans la misère, donc qui est prête à écouter n'importe quoi. Et on en est rendu là, donc on n'a pas avancé d'un pouce. <laughs> Pendant ce temps-là, je vous parle souvent, hein, ces temps-ci, de cette troisième guerre qui s'en vient, c'est inévitable. D'ailleurs, j'aurais quelque chose d'autre aussi de vraiment fascinant aujourd'hui pour vous. Et euh, ça concerne Elon Musk une entrevue, puis des propos qu'il a tenus concernant l'éventuelle, inévitable troisième guerre, la plus grande menace aussi qui, 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 euh, auquel on doit, à laquelle on doit faire face, l'intelligence artificielle qui avance à pas de géant. Probablement que toute cette distraction-là est aussi euh, utilisée pour euh, faire avancer, malheureusement, cet agenda qui est inévitable. Il n'y a personne qui s'en préoccupe. Mais un, un jour, vous allez vous lever le matin, plus tôt que vous le pensez, puis vous allez être complètement entouré de cette intelligence artificielle qui euh, contrôlera vos vies, qui surveillera vos gestes et vos paroles, qui prendra vos emplois, et probablement peut-être qui déclenchera des conflits mondiaux et peut-être le prochain à venir très proche. Donc, ça sera fascinant. Je vous, tra... Je vous résumerai cette euh, petite. Euh, vidéo dans lesquelles Elon Musk, l'homme le plus riche au monde quand même, et qui s'en va pour euh, l'espace, hein, et qui met tous ses, ses pions dans cette euh, aventure de l'espace, il faudrait quand même l'écouter, lui qui est à la base aussi de beaucoup, beaucoup de choses, dont la fameuse voiture électrique Tesla, et une voiture aussi, Tesla, certains modèles euh, opérés par l'intelligence artificielle elle-même, vraiment fascinant. donc par, Mais avant de arriver à ça un petit peu plus tard aujourd'hui, cette rhétorique guerrière qui est là et qui est là et qui ferait l'affaire de tout le monde dans le fond pour euh, naturellement quoi de mieux qu'une bonne guerre pour faire tout oublier. Et l'histoire est marquée par les euh, conflits et les guerres. Ces gens-là qui nous dirigent sont sans moralité et ces dirigeants-là, pas ceux-là mais ceux qui se remplacent puis il y a toujours le même monde qui se... Le même type de gens qui se remplacent au fil de l'histoire de l'humanité, bien, le passé est garant de l'avenir. Dans, dans le dernier siècle, on en a eu deux. Là, on prépare la troisième, on l'attendait depuis longtemps. Et ça semble être le moment propice pour la déclencher. Probablement, comme je vous dis, d'ici la fin de l'année, ou au début de l'année prochaine. Puis, c'est dans. Je vous trouve depuis deux, trois semaines des. des euh, des articles dans des médias vraiment euh, corporatifs, c'est loin d'être des, des sites de <laughs> conspirationnistes. Puis on est en train d'installer cette guerre-là, comme on l'a fait dans les autres guerres, guerre du Golfe, on a installé ça. Les médias vous amenaient pièce par pièce. Les raisons pour lesquelles vous devriez vous préparer et probablement accepter et être derrière vos dirigeants et vos bons soldats qui vont s'en aller en guerre. Pour une troisième fois, mais là une Xième fois. Et c'est Politico qui nous dit que le choix de Poutine, c'est. Hein, puis on n'arrête pas, hein, la Russie, l'Ukraine, la Chine, Taïwan. C'est ça qu'on est en train de mettre comme euh, background, comme arrière-plan, comme raison, motif de cette troisième guerre-là. Et aussi l'espace, vous allez voir. Donc ça continue. Plutôt que de déclencher une nouvelle hostilité en Ukraine, le président russe pourrait voir un avantage dans une impasse sans, sans fin aussi. Ça, c'est euh, les propos, puis l'hypothèse développée par Politico, que j'aime bien aussi. Bah, j'aime ça dans le sens où c'est là où tu vas chercher le pouls de l'élite. Qu'est-ce que l'élite veut absolument? Euh, te présenter et faire de ton avenir. De hauts responsables américains se disent inquiets que la Russie vise à réchauffer les choses en Ukraine avec des troupes positionnées le long de la frontière, on sait qu'il y en a peu presque, presque 200 000, pour une invasion potentiellement imminente. Cependant, le président russe Vladimir Poutine a peut-être exactement le contraire en tête, c'est-à-dire aggraver le gel du conflit dans la région et, euh, et peut-être que ce serait sa meilleure euh, carte et une garantie que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Ah, c'est ça le grand, euh, la grande question ici, la grande peur de la Russie, c'est que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Lors d'une réunion à Stockholm jeudi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ont présenté des évaluations totalement contradictoires de la situation dans l'Est de l'Ukraine. Blinken a insisté sur le fait que le seul risque de guerre était la menace d'une agression militaire russe, et Lavrov a déclaré que l'expansion de l'OTAN vers l'Est était une menace. Donc, c'est un petit peu un cul-de-sac, une impasse pendant ce temps-là. Le, le Wall Street Journal nous dit que la Chine cherche sa première base militaire oh, sur la côte atlantique de l'Afrique, selon les renseignements américains. Des responsables à l'armée de la Maison-Blanche et du Pentagone exhortent la Guinée équatoriale à repousser les ouvertures de Pékin. Des rapports classifiés. Des services de renseignement américains suggèrent que la Chine a l'intention d'établir sa première présence militaire permanente sur l'océan Atlantique, dans le petit pays d'Afrique centrale qu'est la Guinée et et équatoriale. Selon des responsables américains, le re les responsables ont refusé de décrire les détails des couvertures secrètes du renseignement, mais ils ont déclaré que les rapports laissent présager que les navires de guerre chinois seraient capables de se réarmer et de se rééquiper en face de la côte est des États-Unis. Et c'est une menace qui sonne l'alarme à la maison blanche et au Pentagone. Je vous laisserai ça aussi, vous irez lire la fin de ça vous-même. Maintenant, Bloomberg nous rapporte que le programme d'atterrissage de, euh, de la Chine euh, vers la Lune hein, s'intensifie avec la course euh, avec la, avec, dans cette course avec les États-Unis. La rivalité spatiale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie soudainement après qu'un scientifique chinois de haut niveau a déclaré que son pays pourrait être en mesure d'envoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois d'ici 2030. Et on sait ce qui se passe dans l'espace avec cette guerre des étoiles qui est en train de se préparer, quelques semaines à peine après que le haut responsable spatial du président Joe Biden ait établi un calendrier similaire pour la nouvelle exploration lunaire américaine. Les euh, commentaires ont mis en place la possibilité de missions en duel entre les deux. Hein, des puissances spatiales les mieux financées au monde. Pendant ce temps-là, Reuters nous apprend que les vols militaires chinois près de Taïwan ressemblent à des répétitions, selon le chef du Pentagone. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré samedi que les vols militaires chinois près de Taïwan ressemblaient à des répétitions bien qu'il n'ait pas indiqué qu'il s'attendait à ce que Pékin mène réellement de telles opérations. Les tensions entre les trois euh, ont augmenté ces derniers mois, Taïwan se plaignant depuis un an ou plus des missions répétées de l'armée de l'air chinoise près de l'île autonome que Pékin revendique comme la sienne. Et l'AFP nous rapporte, la, plutôt l'Associated Press, que la Chine se sent visée. On sait qu'il y a les Jeux olympiques de, euh, hivernaux qui s'en viennent en Chine. Est-ce qu'il y aura un boycott? De plusieurs pays face au traitement, hein, de, par exemple, de cette jeune, ben, moins jeune, maintenant elle est dans la trentaine d'années, euh, euh, joueuse de tennis, hein, qui nous avait raconté des euh, histoires un peu sordides et qu'on n'a plus revues et qui était réapparue euh, de façon un peu euh, théâtrale, probablement euh, manipulée par le Parti communiste chinois. La, les États-Unis viennent d'annoncer un boycott euh, diplomatique. On verra ce que les euh, les athlètes feront, mais la Chine attaque un éventuel bo boycott diplomatique américain des Jeux Olympiques. La Chine a menacé lundi de prendre des contre-mesures fermes si les États-Unis procédaient à un boycott diplomatique. Et ce qui vient d'être fait, je pense. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a accusé les politiciens américains de faire preuve de démagogie sur la question de ne pas envoyer des dignitaires pour assister aux événements qui, espère la Chine, mettront en valeur son développement économique et ses prouesses technologiques. Là aussi, je vous laisserai ça euh, entre les, dans la boîte de description. Vous, vous irez lire. Mais on est en train de nous établir tous les, les ingrédients. Tous les ingrédients pour cette guerre. Préparez-vous. Cette guerre-là est inévitable. Puis elle aura lieu plus vite que vous le pensez.